some 24 years ago as a fork of NetBSD. And we're currently running OpenBSD 6.6. And the operating system's hallmarks are parler de OpenCSS, c'est rapide à installer, avec une excellente documentation et beaucoup de sécurité. Mais les mesures de mitigation, notre prochain speaker va regarder systématiquement les mesures de mitigation. Sting. Donc, bonjour tout le monde, je suis Einstein et on va parler des mesures de mitigation d'OpenSSD. Je vais expliquer pourquoi je suis sur la scène et ensuite on va aller regarder les mesures de mitigation d'OpenBSD et à la fin on va avoir une conclusion. Donc pourquoi est-ce que je suis là? Comme toutes les bonnes histoires, ça commence sur IRC. Donc j'étais avec des potes qui parlait d'exploitation de vulnérabilité et quelqu'un disait, et quand je lis RepChain, je me rappelle pourquoi j'utilise OpenBSD. Et je ne connaissais pas beaucoup OpenBSD, donc je demande à pourquoi. Et parce qu'OpenBSD, ils aiment la sécurité. Wow, c'est quand même beaucoup. Et donc je lis beaucoup sur le code d'OpenBSD, les documents de design, les PDF. Et ensuite, je reviens sur IRC et un pote me dit « Mais tu devrais faire une présentation au CCC. » Tiens, c'est une bonne idée, ça ne va pas être accepté, donc pourquoi pas. Et donc, voilà. Donc, OpenBSD, c'est un système d'exploitation comme Windows ou Linux, sauf que c'est basé sur NetBSD, qui a été forké en 1995 par Theodorat. Les buts, c'est de faire... Donc de la page web, c'est de faire attention à la sécurité avant que quelqu'un d'autre ne s'en occupe et d'être le système d'exploitation le plus sécurisé du monde. Et donc les solutions devraient être basées sur un mérite technique. Et donc il y a des gens qui pensent que c'est des bêtises qui ont des idées préconçues sur ma talk. On va voir ce que ça va donner. Donc lorsque ça a été annoncé cette présentation, il y a eu beaucoup de réponses. Donc regardez les innovations, regardez les événements. Donc, comment est-ce que vous osez dire que c'est passé que OpenBSD a beaucoup de mitigation, mais je veux savoir si elle fonctionne ou pas, et si c'est suffisant. Et il n'y a pas d'exploit sur OpenBSD, il n'y a pas non plus d'exploit sur Haiku ou pour Temple, et je ne suis pas certain qu'ils soient aussi sécurisés. Donc, OpenSMTP, c'est super, et c'est pour ça que j'utilise. Mais c'est pas à propos de OpenBSD, des logiciels que je livre avec OpenBSD, c'est juste à propos de SBSD. Et donc, on va voir. Et pourquoi est-ce que tu essaies de taper dessus? N'ose pas les critiquer. Quelqu'un d'autre dit, va voir sur undeadly.org, qui est un site. Et à chaque fois, il y a une nouvelle mitigation. Et personne n'a encore réussi à critiquer les mitigations en disant, tiens, là, tu as une faille. Ou j'ai des potes qui habitent d'écrit. Il y a des gens qui... Les gens, généralement, ne se plaignent pas sur les mesures de mitigation. Le titre, c'est du clickbait. Et effectivement, ce n'est pas trop super clickbait parce que la salle n'est pas pleine. Donc, comment est-ce qu'on mesure la sécurité? Donc, on a le mitigateur Il essaie toujours de faire des explorations plus difficiles. Comment est-ce que tu fais ton design pour la mitigation? Donc, j'aime pas écrire des blog posts. Donc, pour avoir une bonne mitigation, il faudrait avoir une certaine classe de bugs que tu tues, ou alors, ou est-ce que tu es 1, 2, 3, 4? Ou combien de temps j'ai rajouté
Ok, j'ai racheté une loupe pour une boucle pour que ce soit plus difficile de faire un attaqueur. C'est pas une bonne idée. J'ai écrit cette mitigation pour tuer cette classe de bugs. Et est-ce que tu peux essayer? Et la revue de code. Et où est-ce qu'elles viennent les mitigations? Est-ce que tu as lu un papier? Ou est-ce que tu as eu cette idée-là? Est-ce que l'autre l'utilise? Est-ce que le code est plus complet? Donc ça ne garantit pas. Mais au moins, il faut voir qu'elles viennent des bonnes pratiques, des bonnes habitudes. Quelqu'un qui s'appelle Ryan Malley a expliqué pourquoi il a essayé de définir une règle de base qui est, si tu ne peux pas expliquer exactement ce contre quoi tu te protèges, et quelque chose que tu ne devrais pas avoir, c'est en forçant l'attaqueur à avoir quelque chose de plus complexe. Donc, dans cette présentation, je vais vous montrer un sous-ensemble arbitraire de mitigation utilisé dans OpenBSD, de choses qui ont été faites ou améliorées par OpenBSD, dans quelle mesure elles sont efficaces, et comment par exemple d'autres types de systèmes comme Linux ou Windows peuvent être comparés face à OpenBSD en termes de sécurité et de mitigation. Donc j'ai choisi un sous-ensemble arbitraire parce que bien sûr je n'ai que 45 minutes. Donc il n'y a pas beaucoup de sources dans ma présentation parce que je n'ai pas énormément d'espace. Mais à la fin, je donnerai un lien qui donnera toutes mes références. Donc j'utilise également une notation au pied de mes slides pour donner quelques opinions. Donc d'abord, la réduction de la surface d'attaque. Donc quelqu'un chez P0 a montré que la réduction de la surface d'attaque est quelque chose de très impactant pour la sécurité. Donc la séparation des privilèges et la réduction des privilèges compossibles. Donc en 1997, Daniel Bernstein a écrit QML, donc qui est composé de plusieurs processus dont un seul tourne en route. Donc par exemple un processus qui communique avec Internet aura des privilèges plus faibles par exemple. Donc en 97 on a eu la même chose pour PostFix et en 2002 on a eu un drop de privilèges pour OpenSSH, ce qui est pas mal. Donc maintenant, tous les programmes qui sont écrits pour OpenBSD utilisent ces notions de séparation des privilèges et de réduction des privilèges. Donc par exemple, quand on fait un ping sur Linux, ping est setuid. Donc d'abord il tourne avec des hauts privilèges et ensuite il les drop très rapidement. Donc par exemple, on a un Xorg sans route, qui ne tourne plus en route depuis 2014, mais qui a gardé quand même la notion de setuid. Donc pledge. Donc dans le monde de Linux, il y a quelque chose qui s'appelle Seccomp qui a été créé en 2002, qui a été mergé en 2005. Ok, donc seuls les systèmes SIGEXIT et quelques autres sont autorisés. Donc Seccomp BPF a été créé en 2012. Et ça permet de limiter les appels système qu'un programme peut effectuer. Donc, OpenBSD s'est mis à faire ça pour tous les programmes également, ce qui est quelque chose de très efficace en termes de mitigation. Ok, donc par exemple, si on a un syscall, on se demande s'il est vraiment nécessaire, etc. Là, le problème ne se pose pas trop parce qu'on va dire, ok, ce programme, il peut faire seulement ça. Par exemple,
il va pouvoir faire de la DNS résolution. Donc, par exemple, on va avoir un programme, il va faire différentes choses. Donc, et ils vont avoir différents privilèges et donc utiliser différents appels système. Il y a seccomp qui est utilisé par exemple pour Docker ou pour IPT à certains moments ou quelques autres programmes peut-être. Mais dans OpenBSD, il y a 850 appels pour pledge, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus utilisé. C'est très impressionnant et ça fonctionne très bien. C'est très efficace. Il y a aussi Unveil, qui est un peu comme Pledge, mais pour les fichiers. L'idée, c'est que Pledge te permet de bloquer sur, ça permet de bloquer la vue du système de fichiers pour certains programmes. C'est-à-dire que le programme n'a besoin de voir que le folder dans un browser, c'est juste pour les downloads et pour et un autre, c'est pour les caches et les cookies et c'est tout en fait. Tu n'as pas besoin de plus. Ça ne s'arrête pas sur les violations, donc tu vas peut-être avoir un message de log, mais le programme ne va pas s'arrêter automatiquement. Donc, c'est utilisé par les 77 programmes en Islande. Et c'est beaucoup parce que OpenBSD ne vient pas avec beaucoup de programmes. C'est comme AppArmor, mais ou CSC Linux, mais c'est bien mieux, c'est bien fait. Je pense que c'est mieux fait, puisque la policy est dans le programme. Et si tu dis wget pour envoyer des fichiers, tu peux faire le système de fichiers read-only, puisque wget récupère le fichier sur ton disque et le télécharge. Ou lorsque tu télécharges un fichier, tu as besoin de simplement rendre le fichier destination d'accès en écriture. Et il n'y a pas plus que ça en fait. Donc la surface d'attaque dépend de ce que vous faites avec le programme. On a des vulnérabilités sur le hardware, on en a eu beaucoup ces dernières années. Là, le plus intéressant, c'est le temps de réaction, puisque c'est plus rapide de mettre à jour le système d'exploitation que la CPU, que le processeur. Donc, il y a des gens qui s'amusent à faire des proof of concept en quelques heures, donc les gens qui prennent ça au sérieux vont vraiment faire des exploits pour les semaines. Donc HyperWatt, donc il fait le hyperthreading par défaut en 2018. C'est simplement parce que tout le monde dit OpenBSD n'a pas besoin de ne s'occupe pas de la performance. Bah si, ils ont donc voilà. Et au moins, ils ont pu éviter 2-3 vulnérabilités, donc par exemple Lyft dans l'Userland ou MDS et ses variantes aussi dans l'Userland. Donc c'est aussi une réduction de la surface d'attaque, mais je trouve que c'est cool. C'était un mouvement qui était fallait l'oser. Voilà. Ensuite, Spectre 1, 2 et 3. Donc, c'est une prédiction de branche, d'exécution spéculative dans la CPU, avec des effets de bord. Et un attaqueur peut essayer de manipuler ça pour lire des données. Donc, Spectre version 1, la mitigation sous Windows, c'était sur le compilé. Linux, c'était d'enlever certains gadgets et OpenBSD, tu n'as besoin de rien faire. V2, pareil, Red Pauline, et D0 pour ARM et 3 mondes pour Current et AMD 64. C'est pas super long. Et Spec 3 KPTI, c'est aussi relativement rapide. De façon intéressante, ça a été KPTI, a eu ça après Dragonfly BSD. Sinon, il y en a d'autres. Donc, Lyft, MDS, WAPK. Et donc, tout le monde a utilisé les mêmes mitigations. Sauf que OpenBSD n'a pas réussi à utiliser, n'a pas les avoir puis à cause de l'hypertrading. Donc, c'est. Voilà.
Et pour Lyft, 9 jours après l'embargo, Theodorad disait qu'il n'y aurait pas de mitigation, même si celle qui était supportée à l'époque. Il a envoyé ça sur la mailing list, mais je ne suis pas certain. Donc la randomisation. Donc OpenBSD se concentre pas mal sur le fait de randomiser tout ce qui est randomisable. Donc d'abord la SLR. Donc l'idée, c'est d'adresser des espaces mémoire à des localisations différentes. Donc, par exemple, c'est le cas pour la pile, pour le heap. Donc en 2001, on a eu le PAX projet pour Linux. Donc en 2001, OpenBSD a également ajouté des offsets aléatoires pour la stack. Donc techniquement, on devrait parler de ASR et pas de ASLR. Donc, parce que, par exemple, lorsqu'on fait tourner un binaire pour la première fois, c'est l'offset entre, par exemple, vers le début de la librairie. Also, OpenBSD claimed to be the first widely used operating system to have ASLR. Et aussi OpenBSD, ils ont prétendu être le premier gros OS à utiliser ASLR. I'm not sure the statement is true for OpenBSD. Mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait exact. Donc ensuite, le position independent code ou executable. Donc, quand on va faire tourner le programme, il va être mappé à une localisation aléatoire. Et du coup, en 2001, on a aussi eu PAX. Donc, on a eu PAX pour qui a implémenté PE. En 2003, on a eu des choses similaires pour Gentoo et pour Fedora. Donc ensuite, en 5 ans après, en 2008, OpenBSD s'est mis à supporter les PIE. En 2011, les PIE sont utilisés par défaut sur iOS et OS X. En 2012, ça a été le cas pour Android. Et en 2012 également, pareil pour OpenBSD. Donc ça, c'est bien. Et sur le site d'OpenBSD, c'est écrit que OpenBSD 5.3 a été le premier OS utilisé de manière importante à activer ça par défaut. Sauf que, en fait, pour cette plateforme matérielle différente, sauf que c'est pas le cas pour Android. Enfin, il y a eu Android qui a été le premier, par exemple, pour 6 plateformes, etc. Donc, KRL. Donc, en 2017, OpenBSD relink les objets kernels dans un ordre aléatoire après chaque boot du système. Donc, c'est pas le cas par exemple pour d'autres systèmes. Par exemple, sur Ubuntu, à chaque fois qu'on reboot, le kernel il ressemble à la même chose. Donc, ça pour OpenBSD, c'est pas mal. Parce que par exemple, si on peut leaker un pointeur vers le noyau, on va savoir où on est, mais ça va pas donner énormément d'informations. Et parce qu'en fait, je vais pouvoir écraser quelque chose, mais je maîtrise pas quoi. C'est aussi utile pour, contre les attaquants qui n'ont pas des lectures arbitraires.
Et en termes de debugging, c'est assez horrible parce que tout le monde a des SPU différents. Et du coup, pour débugger, c'est pénible parce que du coup, par exemple, on va prendre un screenshot et en fait, ça va pas être suffisant puisque on sait pas à quoi le kernel ressemble à ce moment-là. Et ça pose également des problèmes par rapport au trusted boot, mais je pense qu'en fait OpenBSD s'en fiche un peu. Donc il y a également de la randomisation au boot pour la libc et la libcrypto. Donc ça existe depuis 2016. Ça permet d'éviter les leaks de single pointers et les overwrites relatifs. Mais par contre, ça fonctionne pas. Enfin, ça permet pas de se protéger contre, par exemple, un read arbitraire. Donc, à un moment, du coup, ça a permis une petite amélioration de la SLR. Mais dans le cas de la libc ou de la libcrypto, on a finalement déjà assez de gadgets. Et en termes d'entropie, l'entropie est assez réduite. WX, c'est une mitigation. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est écrit, où on peut écrire, où on peut l'exécuter, mais pas en même temps. C'est relativement vieux. Ça a été fait en 90 quelque chose. Il y a aussi un patch kernel pour Linux. Et ça, on peut éviter l'exécution. Et en fait, quelqu'un qui vient de juste écrire sur une section ne peut pas l'exécuter directement. Donc, OpenBSD a été relativement tard. Donc, ça a été fait en 2002 pour Userland et puis 2015 pour kernel. C'est super, sauf que il manque PAXM Protect comme, ou alors ACG sur Windows ou l'équivalent du hardware dans Apple. L'idée, c'est que le système d'exploitation va tracer l'allocation de mémoire. Et si une page est écrite, on peut écrire. On ne peut pas la mapper comme étant exécutable. Et donc, il faut d'abord l'écrire. Ensuite, la mappée a été mappée comme exécutable. Et donc, ça bloque l'exécution de code arbitraire. Puisque... Donc je peux allouer une section, j'écris, je mets ma payload dedans, ensuite je la remappe comme exécutable et je l'exécute. Donc c'est l'attaqueur... en fait, il faut, ça complique l'installation de la payload pour l'exécuter. Donc, WX Refinement. Un peu plus tard, ça a été affiné. Théo a dit qu'il voulait les appels syscall de ces endroits-là, forçant les attaqueurs à avoir des attaques plus complexes ou probablement plus difficiles de trouver les syscall. C'est quoi l'idée? C'est un petit peu comme PAX et Protect. Ils bloquent des syscalls. Exécution pour un attaquant, c'est quelqu'un qui a de la mémoire et en fait c'est bloqué de la mémoire qui n'a pas le drapeau M6 flag quand ton binaire est en train de se lancer et tu peux lancer uniquement tes syscalls de cette version là d'une certaine version du binaire. Donc c'est Samuel Crow a fait une présentation à propos
d'un exploit qui bloque, qui contourne complètement cette mitigation. Et comme attaquant, vous avez suffisamment de contrôle pour avoir quelque chose en écriture. Et généralement, si vous avez suffisamment de contrôle pour écrire quelque part, pour changer pour le changer en exécutable et pour l'exécuter, généralement, vous avez aussi suffisamment de contrôle pour contrôler les syscalls. Sinon, maintenant, c'est la version la plus juteuse des mitigations. Donc, management de la pile en Userland. Le tas. Désolé. Et Damien Miller. Donc, c'est absolument superbe. C'est des métadonnées hors bande. Donc, on a les données et les métadonnées sont gardées de façon séparée. C'est-à-dire que s'il y a un overflow, on va avoir. Ils vont pouvoir. C'est une lecture read-only. Donc, si un attaquant a un read ou un write arbitraire, l'idée ça va être que lorsque le programme aura plus besoin d'une zone mémoire, ça va pouvoir être libéré. Sauf qu'en fait ça va pas être libéré immédiatement, donc on va pouvoir la mettre un petit peu en quarantaine et ce sera cette zone mémoire sera libérée un petit peu après. Donc, et si en tant qu'un attaquant on essaie de regarder cette zone mémoire, en fait on va pas être capable de leaker ce qui se trouve dedans. Donc, on a aussi les protections par Canary. Donc, pour le page alignment, quand en tant qu'un attaquant, on a un overflow, en fait, ça ressemble un peu à un Canary, mais pour des pages entières. Et dès qu'un attaquant commence à les toucher, tout va exploser et du coup on va se rendre compte qu'il y a un problème. Donc les optional guard pages, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal aussi. Donc on a des benchmarks qui montrent que par exemple AutoMalloc est 12 fois plus lent que l'équivalent que un équivalent, bref. Read-only location. Donc ça c'est un peu plus compliqué à expliquer. Mais par exemple si on a un programme qui a besoin d'une fonction qui vient d'une autre librairie. Par exemple, printf pour afficher quelque chose. Donc le programme il va dire où est la fonction printf. Donc cet élément va dire je vais regarder. Il va renvoyer la réponse au programme et ensuite un appel à printf va être effectué. Donc l'idée ici c'est que le cache qui va être utilisé pour faire ça il va être rendu read-only. Pour éviter des choses où par exemple on aurait compromis le cache et où la prochaine fois qu'on penserait à appeler printf en fait on appellerait autre chose. Mais il y a quand même un problème. Donc OpenBSD a toujours un autre type de bindings. Et la façon dont ils font ça, c'est qu'ils utilisent un nouveau syscall qui s'appelle kbind, qui permet au programme d'avoir une écriture arbitraire sur une zone mémoire qui est mappée. Donc même si la zone elle est read-only, le programme peut quand même écrire dedans. Donc la première fois qu'une fonction est utilisée, on va enregistrer ce qui s'est passé. Et ensuite, ça implique une sorte de cookie un peu magique.
Donc, je pense que c'est un syscall qui est un peu dangereux. Mais je pense qu'en fait, on aurait dû avoir un autre type de binding et pas garder le système de lazy bindings. Donc ensuite, les trap sled. Donc, en 2017, enfin, ça date de 2017. Donc, l'idée, c'est d'enlever les NOP sled des librairies, des bibliothèques. Donc les NOP sled, ils datent de quand la stack était encore exécutable. Et si on regarde tous les exploits qu'on peut trouver n'importe où, personne n'utilise les NOP sled. Dans Visual Studio, on avait une fonction similaire qui était brandée comme une fonction de sécurité. Donc, en ce qui concerne le fait d'enlever les gadgets pour l'Europe, donc par exemple, au lieu de faire un move de A alpha, on va échanger, enfin, faire un exchange sur A et B, on va move B alpha et exchange B A. Et concernant Redguard, on va en discuter un petit peu plus tard. Donc enlever les gadgets drop, mais pourquoi en fait? Donc, parce qu'il y a un gadget qui s'appelle ropgadget.py. Et en fait, personne n'utilise ça à part les gens qui font du CTF et encore, ça marche pas à tous les coups. Et la façon de mesurer ce succès, c'est de faire tourner ça sur différents binaires et d'essayer de générer une chaîne complète avant mitigation et après mitigation et de voir si on peut encore générer la chaîne. Et en enlevant les ROP gadgets, on fait tomber le nombre de gadgets à peu près 11% sur MD64. Mais en fait, ça fait pas une si grande différence parce qu'il y a toujours plein de gadgets qui traînent un peu partout. Donc j'ai essayé de faire tourner ropgadget.py. Et en fait, si on fait tourner ça sur une librairie kernel, en fait, on a toujours plein de gadgets disponibles qui vont nous permettre de faire des returns vers un peu n'importe quoi. And also any case substantial reduction of gadgets powerful except it's not there was a paper published. Et on pourrait penser que ça c'est assez puissant, sauf qu'en fait non. Explaining why removing rub gadget doesn't usually improve security and sometimes worsen it. Le fait d'enlever les rub gadgets, finalement on pourrait penser que ça améliore la sécurité, mais dans certains cas ça peut la diminuer au contraire. Nobody seems interested to improve it, deprecate the option, so you won't lure developers to the land of full security. Redguard. Donc si on parle de Redguard maintenant. Donc Crispin Cohen et d'autres personnes en 97 donc ont publié Stackguard. Il y a une valeur secrète qui est sauvegardée, et si quelqu'un réécrit dessus, bah, la valeur est perdue, et donc on peut détecter qu'il y a eu un changement qui a été fait. Donc, mais il faut savoir quand on fait un appel, il faut envoyer, et il faut savoir où revenir. Donc, vous allez mettre l'adresse de retour sur la pile, et vous allez faire une explication. Et c'est-à-dire que si en attaqueur, je peux écrire sur cette valeur, je peux pointer le programme là où j'étais.
Et donc, ça, ça a été fait en 2003. Et de façon intéressante, ils utilisent des données aléatoires sur un segment. Et le compilateur était. Le compilateur a vérifié et il le faisait des zéros puisqu'il voyait que ce n'était pas utilisé, donc ça simplifiait les compilateurs. Donc en 2007, c'est de faire un XOR sur l'adresse au début de la pile avec la valeur du pointeur en elle-même. C'est pareil. Et si on peut simplement écrire une partie du pointeur, et si vous pouvez lire le tas, c'est bon. Donc si vous avez ASLR, et en fait vous pouvez récupérer le cookie, donc ce n'est pas super génial. C'est pour ça qu'ils ont amélioré en 2018. Voilà un peu l'assembleur. Donc l'idée, c'est de mettre donc le RedGuard, de faire un XOR avec RSP. À la fin, il y a la fonction, il y a une vérification. Donc, il y a un saut, et ensuite un sled, et ensuite on retourne. C'est cool, c'est bien. Donc R11 est toujours sur la pile lorsqu'on appelle la méthode. Donc on peut leaker la valeur du cookie. Il y a un cookie par fonction. Et ce cookie est stocké dans un segment dédicacé. Et donc on ne peut pas le écrire dessus. Et l'intégrité de la valeur de retour en elle-même. L'adresse de retour. En elle-même. Et l'intégrité de la valeur est vraie. Et donc même avec une écriture arbitraire, on ne peut pas vraiment, on peut pas la réécrire. Donc c'est un petit peu mieux que les cookies de stack, de cookies de pile normaux. Mais si vous avez une lecture arbitraire, c'est quand même game over. Donc null deref dans Kernelland, l'idée c'est lorsque vous avez un null pointer, une référence sur un pointeur nul, il faut par exemple un pointeur de fonction initialisée qui est en userland, le kernel va sauter vers userland et il doit donc pour que l'attaquant doive mettre son shellcode pour avoir une exécution de code, et le projet PAX l'a tué en 2004. Et sinon en 2006. Donc Ivan Sprudel en 23C3 parlait des unusual bugs où il avait par exemple ce genre d'exploit. Donc ça a été mitigé, il y a eu une mitigation par Linux un peu plus en 2007. Et donc tout le début de l'Airspace. 2007, tout le monde faisait un copy-paste des exploits. En 2008, a aussi mitigé, Thierry de Rade, c'est les chefs. Il n'est pas super fier de la solution, mais c'est ce qui était, c'est la meilleure solution face à la décision architecturale d'Intel. Ça lui a pris 2 ans pour l'implémenter, donc je pense que c'est dans l'autre sens. Là. SMAP, SMAP et leurs amis, l'idée, c'est que vous pouvez renforcer au niveau de la CPU que les choses qui sont en train de tourner en supervisor ne peuvent pas accepter l'userland. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour éviter d'écrire leur payload en userland et puis d'exploiter l'upervisor. Donc il faudrait simplement pour forcer l'attaquant à écrire directement dans le kernel. Donc Intel et AMD ont fait des releases. SMAP c'est pour le kernel et SMAP c'est accès. C'est 2012, tout le monde a eu du support pour ça.
Et donc en OpenBSD, il y a eu un bug avec un trivial, avec un évitement trivial jusqu'à décembre parce qu'ils ont oublié de remettre un flag à zéro. Donc Mapstack, ça existe dans Linux. Donc Windows avait aussi quelque chose de similaire. Ça a été enlevé en 2012. Donc l'idée c'était de vérifier que lors d'un syscall, le stack pointer pointait vers quelque chose qui était bien dans la stack. Donc et l'idée c'était de mettre son payload dans quelque chose qui pointait vers un map. Donc, OpenBSD ont un peu utilisé les choses de Windows mais sans en parler dans aucun papier. Donc pour et eux ce qu'ils font c'est qu'ils vérifient l'état du stack pointer à la fois lors des syscalls et aussi je ne sais plus, pardon. Donc les syncookies, donc à nouveau Daniel Bernstein. Donc là l'idée c'est d'avoir un stockage qui est stateless pour les handshakes SYN. Donc si on a un client qui envoie à la suite plein de SYN, il faut que le serveur en garde la trace. Et ici, l'idée, c'est d'avoir un cookie qui permet de stocker ça de manière stateless. Donc, ça a été implémenté dans OpenBSD l'année dernière. Et aujourd'hui, tout le monde sur Internet peut faire des DOS pour un coût moindre en envoyant plein de SYN. Donc ensuite map conceal. Donc l'idée c'est qu'on ait des adresses mémoire qui soient pas capables d'accéder au disque. Et ça permet par exemple d'avoir d'éviter d'avoir par exemple des creds lors de crash qui ont été écrits sur le disque. Donc le nom conceal a été choisi parce que ça permet une certaine flexibilité. Par exemple, ça empêche l'utilisation de ptrace. Donc concernant les pratiques de développement, je pense que ça c'est important. Ils n'ont pas de tracker de bug, tout se fait par mail. Donc pour savoir qui gère un bug, en fait il faut aller voir sur la mailing list par exemple. Donc par exemple, lorsqu'on push du code, ça va être Théo a dit que c'était bon ou quelqu'un d'autre a dit que c'était bon. Il n'y a pas de review de code public. Ensuite, il n'y a pas de justification pour les choix qui sont faits en termes de mitigation. Donc, quand il y a une vulnérabilité qui est fixée, en fait, on nous dit juste, on a juste une page où il y a marqué, bon bah voilà, dans telle version, telle vulnérabilité est fixée, mais on n'a pas le contexte qui va avec, en fait. Donc, par exemple, on ne sait pas si ça a affecté le kernel land, le user land. On ne sait pas, il y a juste marqué mettez à jour et patchez ça, et c'est tout. Il n'y a pas de système d'intégration continue. Et la branche current, de temps en temps, elle est juste cassée. Le système, si on est à jour, le système ne boot plus. Pour la gestion de version, enfin pour le versionnement, ils utilisent CVS.
Il y a la moitié des messages de commit qui font moins de 10 caractères de long. Donc par exemple, Hello World, ça fait 11 caractères déjà. Donc, en conclusion, juste attends. Donc, OpenBSD a inventé des petites choses vraiment intéressantes, par exemple AutoMalloc, et a fait des choses pas mal sur, par exemple, le hardening d'OpenSSH. Ils ont de bonnes idées. Ils ont également amélioré des idées que d'autres avaient eues. Donc, par exemple, Pledge, le password hashing, Bcrypt. Il y a aussi des choses assez hilarantes, par exemple, si on regarde les histoires de Trapsled, WX, etc. Mais par exemple aussi le bypass sur SMAP, il n'aurait jamais dû exister pendant aussi longtemps. Mais ils ont aussi des mitigations qui sont inutiles et je vois pas en quoi ça peut fonctionner de développer ça de cette manière. Ils ont quelques mitigations qui sont un peu inutiles aussi, au sens où elles vont retarder le développement d'exploits, mais pendant pas très longtemps. Voilà, merci beaucoup. Donc on ne vérifie pas que. Donc on va aller voir ce site, mais je pense que c'est important que les gens peuvent comprendre pourquoi, les questions que j'ai posées, pourquoi. Donc, merci Stein pour cette revue systématique. Donc, allons voir les questions. Est-ce qu'on a des questions d'Internet? Non, pas de questions d'Internet. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne vois personne au microphone. Personne? Non. Un petit peu plus de temps pour penser à une question. Allez, dites quelque chose. Pas de questions. Ah, microphone 2, il y a quelqu'un. Quand vous montrez les temps de réponse dans certaines mitigations, est-ce que vous savez si les gens d'OpenBSD avaient accès aux informations avant la publication, comme par exemple les gens de Linux ou de Windows? Parce que je pense qu'ils auraient été. Ils auraient pu aussi écrire les médications en temps et en heure. Et là, je ne suis pas certain. C'est une bonne question. Je n'ai pas parlé de ça, puisque apparemment, c'est relativement sensible. Théo dit que OpenBSD n'a jamais cassé un embargo. Mais ils sont connus pour ne pas jouer gentiment avec les embargos. Et donc, en partie, ils sont exclus des embargos. Il a fallu qu'ils y réagissent de façon rapide. On a une question d'Internet. Oui. Est-ce que vous avez une réponse au statement de Brian Steele qui disait que MapStack est quelque chose de complètement différent de ce qui est implémenté dans Linux et Windows? MapStack, c'est le mapping. Je vais vous faire voir le slide. Voilà. MapStack, c'est Windows, ça a été enlevé, mais c'est la même idée de vérifier le pointeur de stack sur chaque syscall OpenBSD, l'améliorer avec les page fault. C'est un peu mieux, mais c'est pas absolument superbe comme mitigation. Okay, we have a microphone 4. Hi,
Comment vous comparez Pledge avec les systèmes, les possibilités de Linux? Ou est-ce que c'est différent? Sous Linux, vous entendez quoi par possibilité? Par exemple, il y a CAP. CAP Network Bind. Capability pour pinging. Pour créer une socket. Ah, ok, je vois de quoi vous parlez. C'est confus. Il y en a beaucoup, la documentation, et il n'y en a pas beaucoup de documentation. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une... qui a décrit les capacités, qui disait que c'est quel bazar c'était, mais comme c'est pas vraiment utilisable par un humain normal, c'est pas une bonne mitigation. Ce que j'aime à propos de Pledge, c'est que ça c'est l'entrée ou pas, ou alors, enfin entrée et sortie, ou alors je vais le réseau, ou est-ce que j'ai besoin, il n'y a pas besoin de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cette, ce type spécifique de socket vachement exotique ou pas. Autre question du microphone 5. Donc, il y avait ce channel pour les développeurs d'ICB. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore? J'en sais pas beaucoup sur l'écosystème autour de OpenBSD. Et concernant les mitigations, ils n'ont pas du tout interagi avec leur communauté. D'autres questions? Oh, une question supplémentaire d'Internet. How does OpenBSD compare to FreeBSD in the context of your talk? Ok, dans le contexte de votre présentation, comment OpenBSD peut être comparé à FreeBSD? Maybe I will do a talk next year. Donc, more seriously, j'en sais pas beaucoup là-dessus. Soft fork of OpenBSD, of FreeBSD. Plus sérieusement, il y a un fork de FreeBSD qui vise à améliorer la sécurité de FreeBSD, mais j'en sais pas beaucoup à ce sujet. Okay, any more questions in here? D'autres questions? On a toujours du temps. Internet peut-être? No questions anymore. Bon, bah, plus de questions. On va donc terminer cette session. Donc applaudissez à nouveau notre présentateur pour cette présentation.